Bonjour, c'est Pedro et bonjour Hervé et bonjour à tous. Pour ce match, vous retrouverez Naples face à l'US Sassuolo. Un petit mot sur les deux équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Le Napoli qui aborde ce match fort de son attaque, hein, la meilleure de son championnat. On verra si cela se vérifie encore aujourd'hui. En tout cas, on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. Tu t'attends à quoi, Pierre? Bon, ce que tu viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien. De toute façon, tu sais tout. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Alors, on va découvrir l'organisation tactique de cette équipe. L'entraîneur a retenu un 3-4-3 pour ce match. Gros match en perspective pour les milieux excentrés qui vont avoir beaucoup de boulot. Le coup d'envoi donné par le Napoli. Romelu Lukaku. Lukaku pour créer le décalage. Très belle passe. Et le ballon dégagé finalement. Corner à suivre. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty. Avec un tir, contré. On va peut-être assister à une contre-attaque. Un ballon qui sort en touche. Funes Mori. Irving Lozano. Kevin Campbell. Mertens. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh, il y est! Oh, le premier but dans cette rencontre! Une rencontre qui démarre à fond! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. On revoit ce très beau but de la tête. Ouais, il a le temps de s'élever, de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste. Napoli qui mène au tableau d'affichage. Marlon Santos. Oh non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Mertens. Lukaku. Ballon capté par le gardien. Kevin Prince-Boateng. Emil Forsberg. Lukaku. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il va ramener le jeu dans l'axe. Mertens. Oh, le but de Mertens! Ah, il est pas maladroit devant le but, celui-là. Le joueur qui parvient à adresser un centre parfait sur cette action. Ouais, il sert son copain dans des conditions idéales. Ils ont à présent une avance confortable. Marlon Santos. Funes Mori. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Kevin Campbell. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Allez, la voie est libre pour le Napoli sur les côtés.
Et la remontée du terrain qui se poursuit. Domenico Berardi. Gianmarco Ferrari. Jérémy Boga. Oui, le tacle, mais le ballon est perdu. Kevin Prince-Boateng. L'arbitre qui est sur la trajectoire du ballon. Jérémy Boga. Ouais, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Et la voilà la frappe. Ah non, mauvais tir, hein, ça passe très loin du but. Alexander Arnold. Emil Forsberg. Mertens. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. C'est dans le paquet. Ouais, de la tête, c'est superbe. Excellente, hein, cette tête. Le buteur qui arrive à placer une superbe tête à la conclusion de cette action. Le gardien ne peut rien. Ah, elle est belle cette action, Pierre, elle me plaît. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête, hein. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Gianmarco Ferrari. Funes Mori. Domenico Berardi. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Forsberg. Ah oui, il est passé, joli. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, l'occasion. Ah, superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Le Napoli qui creuse encore l'écart. On les sent très sereins, hein. Même si le score a l'air un peu sévère, je trouve qu'il est logique. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Gianmarco Ferrari. Domenico Berardi. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Kevin Campbell. Perisic. Les temps qui vont bénéficier de la touche. Ouais, l'interception. Il cherche un coéquipier dans la surface. Le ballon dégagé finalement. Corner à suivre. Pierre, il y a de la qualité chez ce joueur, mais on attendait peut-être un autre match de sa part. S'ils n'inversent pas rapidement la tendance, ils vont perdre la rencontre. On le voit bien sur les stats. Hein. Il n'est pas tellement inspiré dans la construction. Et jusqu'ici, il n'a pas semé la panique dans la défense adverse. Trop de mauvais choix. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Bonne récupération au milieu de terrain. On écarte le jeu. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ivan Perisic. Emil Forsberg. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Alors, attention à l'éventuelle contre-attaque. Christian Cabasele. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Jérémy Boga. Ouais, il perd ce ballon. Allez, 3 minutes de temps additionnel indiqué.
Ouais, bien joué dans l'espace, Mertens. Alexander Arnold. Allez, la voie est libre pour le Napoli sur les côtés. Lukaku. Attention, Perisic. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. 4 à 0, c'est le score à la pause. C'est nous. Bon, il n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Funes Mori. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Allez, la voie est libre pour le Napoli sur les côtés. Lukaku. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ah, la bonne qualité de ses passes. Oh, le ballon tout. Lukaku pour créer le décalage. Très belle passe. Ah ouais, l'énorme parade du gardien. Ah, il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique. Il fallait le faire. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Christian Cabasele. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Gianmarco Ferrari. Ivan Perisic. Lukaku. Mertens. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Kevin Campbell. Nils Forsberg. Perisic. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Alors ce n'est pas un joueur, mais deux hein, qui vont entrer sur la pelouse. Un long ballon, loin devant. Mertens. Ah non, le ballon est perdu. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Kevin Campbell. Erwin Lozano. Nils Forsberg. Attention, Perisic. Oh, ce tir qui frôle le poteau. Ça partait bien pourtant. C'était pas très puissant, mais bien ajusté. Marlon Santos, Peluso, Alfred Duncan, Jérémy Boga. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Kevin Campbell. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ah, la passe en profondeur, attention. Mais c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ah, belle sortie. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon hein, dans ce match.
disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Romelu Lukaku. Ibišević. Domenico Berardi. Sancho. La frappe. Ça passe largement à côté. Chaka. Mertens. En position idéale pour centrer. Et il dégage. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Domenico Berardi. Romelu Lukaku. Allez, la voie est libre pour le Napoli sur les côtés. En retrait pour un coéquipier. Et le but signé Lukaku. Oh, quelle puissance de l'attaquant belge. Ouais, on le sait, il adore ce genre de ballon. Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Philippe Doricic. Peluso. Alfred Duncan. Ibišević. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Chaka. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Mertens. Ouais, bien joué dans l'espace, Mertens. Et alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Alfred Duncan. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Upamecano. Christian Cabasele. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. On s'approche du but. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Chaka. La tacle est propre, mais ballon toujours en jeu. Ouais, une vilaine passe directement à l'adversaire. Le tir, ah, c'est complètement dévissé. Les supporters qui savent que leur équipe peut prendre le match à son compte. Ouais, ça leur donne une belle occasion de chanter dans les tribunes en tout cas. Mertens. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Mertens. Ouais, bien joué dans l'espace, Mertens. Ouais, hors-jeu, 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 signalé hors-jeu. Ah, la défense qui a eu chaud. Kevin Campbell. Lukaku. David Neres. Et ce ballon qui est perdu. Et voilà, c'est terminé à l'instant. Et c'est donc l'équipe de Naples qui remporte ce match. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable.